Empiezo prácticamente Bueno, pues vamos a proseguir después de habernos despertado con mucha humanidad, ¿no? Y mucha transparencia, la necesidad de esa conciencia, de la necesidad de esa libertad de pensamiento, ¿no? Ahora mismo es una mesa en la cual buscamos, en el eje también de esta edición, que os encontréis realmente en esos otros lugares, otras formas del ver el mundo, y de alguna manera los tres participantes de esta tarde, de esta charla, de esta conversación, tienen universos muy propios, muy diferentes en su sentido, son creadores que utilizan diferentes disciplinas, sin duda, pero que yo creo que a su manera pues nos van a ir tejiendo, bueno, como esa ola que constantemente, ese mar que nos sirve de fondo a lo largo de esta edición, pues nos va a ir construyendo un camino en el cual seguro nos van a dar muchas claves. Así que os dejo ahora mismo con Gao Bo, con Pascal Obolo y con Belén Copegui, a los cuales agradezco muchísimo a los tres que nos acompañen esta tarde. Bienvenidas a los tres. Dejo a Gao Bo que empiece a contarnos su universo. Gracias.大家下午好，我讲个故事，我不知道是真的是假的，但是呢，我觉得是真的。曾经在一个舞台，阿里贝尔加缪让他的灯光师给一束黑色的光，灯光师。 这个时候，不知道怎么样的，投一束黑色的光。 Je sais, aujourd'hui, il n'y a pas de traducteur pour vous. Vous voyez, je me sens seul. C'est peut-être la solitude que Camus a beaucoup parlé. Donc maintenant, je rentre dans la partie solitude. Je vais traduire ce que j'ai raconté. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Moi, j'ai l'impression que c'était vrai. Tout à l'heure, j'ai raconté, d'abord, bien sûr, je donnais mes remerciements pour cette invitation. J'ai raconté une fois, sur la scène, Camus a demandé, l'éclairagiste, donne-moi un faisceau de lumière noire sur moi. Et l'éclairagiste a réfléchi, ils disent que la lumière noire, tu m'as demandé, j'en ai pas, peut-être chez toi il y en a. Mais comment je peux vous donner un faisceau de lumière noire? Bon, c'est juste une histoire que j'ai racontée. Maintenant, je parle de quelque chose de plus sérieux. Je cherche toujours un langage dans ma vie. J'ai toujours essayé de trouver un langage juste, mais pas juste un langage. Donc, je fais beaucoup d'efforts pour pratiquer le français disant une langue étrangère. Mais selon moi, c'est aussi ma langue. Même je pratique pas parfaitement bien et je me sens très à l'aise de parler cette langue étrangère.
Je pense que c'est aussi d'un sujet de Samuel, pas Samuel Beckett, non, de Camus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui. Ah, ça y est, c'est bon. Je voulais vous partager un de mes souvenirs d'enfance. En même temps, je vais lire un petit texte que je l'ai écrit ou je l'ai noté à l'époque. J'ai même donné un titre qui s'appelle « Dualité ». Dans mon enfance, la frontière entre le noir et le blanc était bien nette. Ma première éducation a été celle des années les plus bruyantes, c'est-à-dire de la révolution culturelle. À cette époque-là, dans ma petite ville, une exécution était un moment très important. Nous étions tous réunis dans un jardin public. Les condamnés grimpaient d'abord sur une scène, comme ici, où ils étaient critiqués, puis placés dans un camion. Ils défilent dans les rues en caravane. Cela arrive 2 ou 3 fois par an. Je m'en souviens bien, j'avais entre 7 et 9 ans. Dès que je savais une exécution à venir, cela me faisait bien plaisir d'y participer. Du début jusqu'à la fin. Je suivais le défilé en courant. J'aimais voir les fusils pointés vers les condamnés, la balle entre dans leur tête et voir le cerveau sortir. Je restais près des corps. Après quelques heures, les mouches bourdonnaient et cela m'a donné envie de vomir. Mais ce n'était pas grave. Le plaisir était plus fort que la répugnance. Je me souviens encore du nom de certains condamnés, comme les frères Li Taekun et Li Muyo. Cela me rassure parce que d'un côté, il y avait les bons, et de l'autre côté, il y avait les mauvais. Les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. Mon professeur nous disait à l'école, nous se débarrasse du mauvais comme le vent d'automne balayait les feuilles mortes, sans hésiter. Pour les bons, il y a le vent du printemps qui réchauffe la nature. Le fait d'être un homme ou une femme n'était pas important. Plus tard, j'essayais d'être un homme et on essayait d'apprendre et comprendre les femmes. À ce moment-là, j'ai réfléchi à ce que nous sommes. Nous les êtres humains, où est le bon, où est le mauvais? En moi, me suis-je demandé, lorsque je tentais de jouer le rôle noir, je ne me suis pas senti aussi sombre qu'il semblait, mais lorsque je tentais d'approcher le blanc, il reste toujours quelques saletés. J'ai donc eu besoin d'un outil
pour comprendre le monde, pour me connaître. Cet outil, c'est l'appareil photo. Au début, j'imaginais que la pellicule allait saisir les choses vraiment objectivement. Malheureusement, la photo mentait aussi. J'ai commencé à faire des images subjectives. Enfin, en voulant saisir ces images subjectives, j'ai vu la situation objectivement. Notre monde est toujours double, comme la nuit et le jour. Et nous sommes parfois des êtres adorables, parfois désespérants. Je me suis posé la question lorsqu'on est dans un moment mauvais. Doit-on accepter que l'on tire un pal dans la tête? Plus tard, j'ai photographié ces hommes et ces femmes. Je voulais retrouver mon souvenir d'enfance. J'ai pu leur faire un sourire, leur parler des choses comme on le fait avec un frère ou à une sœur. C'était l'occasion de leur serrer la main très amicalement et ne pas voir leur tête avec un grand trou. Voilà. Pourquoi je voulais vous partager ce souvenir d'enfance avec ce travail? Parce que je pense qu'il y a un lien aussi avec Camus, Albert Camus. Je ne sais pas comment parler de Camus si je ne suis pas Camus. Donc un jour, si je me suis devenu Camus, je reviendrai vous parler de Camus. Merci. Hola, buenas tardes y perdonadme que se me han olvidado las gafas. Ahora bien. Es que a esta edad, según la luz que haya, pues... Bueno, muchísimas gracias por haberme traído aquí, porque no concibo otro lugar mejor en este momento de mi vida. Y gracias de corazón por todas las cosas que he escuchado. Voy a hacer un poco como en las películas americanas, porque yo traía un texto muy largo y, bueno, voy a leer una parte, pero en fin, voy a hacer como cuando hacen, doblan el papel y van a hablar. Pues voy a hablar porque, sobre todo en la charla anterior, yo la escuchaba y me decía, ¿por qué soy tan complicada, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo escuchar las cosas tranquilamente y aceptarlas, ¿no? Pero como que cada cosa que escucho, digo, no es del todo así, ¿no? Y no sé, por ejemplo, escucho, no hay que matar a nadie, ¿no? Y pienso, claro, no hay que matar a nadie, pero luego también pienso, es que ya están matando por nosotros, es que para que nosotros estemos tranquilos, están matando a personas que vienen a nuestra Europa y las están matando por nosotros. Entonces, ¿qué significa no matar a nadie? ¿No matar nosotros, pero dejar que maten por nosotros? Y bueno, eso me pasa casi con cada cosa que escucho, ¿no? Y no se puede vivir así porque estás todo el rato
pero es la manera que tengo yo de pensar, ¿no? Y pienso que quizás no me gusta acudir a lo personal porque parece que es una excusa, ¿no? Es como cuando dices, también me pasaba, ¿no? Escucho, claro, en Camus había una cuestión de clase, sí, pero claro, Camus también creció y maduró y cambió de clase y eso no le quita valor, ¿no? Entonces, no todo está en el pasado. Entonces, ahora voy a contar una cosa que está en el pasado, pero no es una excusa para mí, sino es como una forma de intentar entender, ¿no? Mis padres, mi madre sobre todo, tuvo una hija con parálisis cerebral, ¿no? Yo he escrito un librito muy pequeño, que es lo mejor que he escrito y no es falsa modestia, porque es un libro que ha escrito mi madre a través de mí, es muy pequeñito y por eso es el mejor, y es esta historia, ¿no? Y ayer le contaba a Gao Bo que durante toda mi infancia yo me pasé, y adolescencia, ¿no? Me pasaba viendo a mi madre escribir cartas porque ella era una de las fundadoras de Amnistía Internacional en España, una de tantas, en el franquismo, que era un poco más complicado ser de Amnistía. Y ella escribía cartas para condenados a muertes de distintos países y a embajadas de distintos países, de cientos y cientos de países, para decir que no podían condenar a una persona a muerte, ¿no? Y bueno, yo he vivido con eso, ¿no? Con eso que es realmente casi más fantástico que la mayor historia de fantasía que podamos inventar, ¿no? Que es una mujer en su casa mandando cartas a Gambia, a a Corea, a cualquier país del mundo, a Kansas, para que alguien leyera esa carta y decidiera cambiar de opinión. Y no sé, a veces pienso que es este lío que tengo en la cabeza, ¿no? Es por eso, ¿no? Porque he visto casi algo imposible, ¿no? Alguien que había sufrido la mayor injusticia que puede haber en la Tierra, que hay muchas y muchísimas, ¿no? Pero bueno, en el caso de mi madre, la parálisis cerebral de mi hermana se podía haber evitado, ¿no? Y alguien que le dio la vuelta a eso, ¿no? Entonces, bueno, he intentado hacer un pequeño texto que lo voy a cortar un poco porque ya con todo lo que les he contado, pero así que si no es coherente, pues es que estoy cortando a toda velocidad. Voy a empezar a leer. Trato de imaginar a los seres humanos que fueron, a los que son y a los que vendrán. No hay nadie, dicho sea con precisión. Perdón. No soy nadie, dicho sea con precisión. Quisiera ser nadie, pero no puedo. Hablo desde un lugar y me acojo a la ficción para dar a ese lugar la precisión que el fárrago de los días no permite dar a las vidas reales, pero sí a las imaginarias. Soy entonces alguien sin presiones, alguien que puede mirar y no ser vista o visto. Soy la posibilidad provisional de una interpretación angélica o desinteresada. He procurado diligentemente, escribió Spinoza, no reírme de las acciones humanas, ni llorarlas, ni abominar de ellas, sino comprenderlas. No aspiro a tanto. Comprender es abarcar y la imaginación también tiene sus límites. Pero imagino los años de la Segunda Guerra Mundial, los que antecedieron y siguieron, Francia, los debates de entonces. ¿Por qué los de hoy no parecen estar a la altura? ¿Es solo por eso que llaman pérdida de autoridad, la que habría introducido la red por el hecho de que ahora un artículo, una entrevista, incluso un libro, no cae en un entorno silencioso que pueda y quiera escuchar? Cae en un entorno parlante, en un marasmo de voces que leen en diagonal lo que se escribe, escuchan en diagonal lo que se dice y pronuncian sus propias palabras de algún modo también en diagonal, con prisa. Pero no parece una razón suficiente. La autoridad no es del todo autoridad si se pierde solo porque otras gentes, por más que muchas sean, han tomado la palabra. ¿A qué se debe entonces? ¿Es el descrédito de las instituciones? ¿La decadencia de la verdad? Hay quien dice que vivimos en tiempos posnormales. La expresión posnormal procede de la ciencia y se aplica a una estrategia de resolución de problemas adecuada cuando los hechos son inciertos, los valores controvertidos, hay mucho en juego y las decisiones son urgentes. Describe, sí, este momento. No obstante, cabe suponer que en el arco del tiempo de cada vida humana
más o menos cumplida, siempre habrá al menos uno semejante. Pero toca hablar de nuestra época, de nuestra falta de certezas. No es solo igual, aunque pueda parecerse a otras épocas, como las personas. Las épocas son a la vez iguales y distintas. Abandono entonces la imagen de no estar a la altura. Quizá algunos debates de nuestro tiempo sí están a la altura. No parece que lo estén porque ciertos valores han cambiado, otros han desaparecido y hemos ganado en conocimiento. En contra de lo que cabe presumir, el conocimiento vuelve las certezas más difíciles, incluso la certeza tan común de la perplejidad y la duda, del no afirmar. Vayamos al título que nos convoca. ¿Cómo definir, por ejemplo, la libertad hoy que conocemos mejor, aunque nunca lo suficiente, nuestros cerebros, nuestros genes o el efecto que vivir en una casa golpeada por la pobreza y el estrés tiene sobre el desarrollo del neocórtex? La respuesta habitual considera que el problema del libre albedrío atañe a un ámbito metafísico y que es en el físico, en el de los comportamientos de la vida diaria, donde hay que contestar lo que tu entorno te permite hacer o lo que te obliga a hacer. Pero esta respuesta no deja de ser una escapatoria, porque la pobreza y el estrés, por seguir con ese ejemplo, tiene causas, y en muchas ocasiones las causas tienen causantes, causantes que limitan la libertad ajena. Para aumentar la libertad hay que haberla definido. Recordamos a Dora en la obra Los Justos. La libertad es una cárcel mientras haya un solo hombre esclavizado en la tierra. Recordamos a Camus hablando en Moral y Política de la difícil conciliación entre libertad y justicia, cuando la libertad de todos es la libertad de oprimir de algunos y, por tanto, la falta de libertad de otros. Evocamos estas palabras suyas en la intervención en 1953 en la Bolsa de Trabajo de Saint-Étienne. Los oprimidos no solo quieren librarse del hambre, quieren también librarse de sus amos. A medida que el mundo se hace más complejo, porque aumenta el número de relaciones, resulta hoy más difícil decir quiénes son los amos. No basta con aludir a jets privados y al 1% de la riqueza concentrada. La responsabilidad hoy se diluye y al mismo tiempo roza mucho más de cerca a cada cual, porque no podemos fingir que no conocemos, y conocemos que la tranquilidad de muchos es la angustia de muchos más, y que en la angustia de la corteza frontal del cerebro se desarrolla menos y las personas pierden capacidad de florecer. La libertad, vuelvo a Camus, insulta al trabajo y lo separa de la cultura cuando está hecha, en primer lugar, de privilegios. Y continúa, pero la libertad no está hecha en primer lugar de privilegios, está hecha de deberes. Los deberes, decimos ahora, atañen a la responsabilidad. ¿Es la responsabilidad la conciencia de las obligaciones o es la obligación de responder, de asumir las consecuencias? La obligación ha de ser exigida, ya por alguien, ya por una institución. La conciencia tiene sus alucinaciones, sus racionalizaciones y autoengaños, sus maneras de interpretar lo que no puede ser del todo definido. Recordarán quizá la hermosa historia que contaba Canetti en su libro titulado precisamente La conciencia de las palabras. Por casualidad había encontrado una nota suelta de un autor anónimo, fechada el 23 de agosto del 39, una semana antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Decía: ya no hay nada que hacer, pero si de verdad fuera escritor, debería poder impedir la guerra. Al principio, la nota se le antoja absurda y pretenciosa. Tiene la misma retórica hueca de que quienes con sus frases, dice Canetti, provocaron conscientemente la guerra. Sin embargo, días después sigue pensando en la frase, el extraño comienzo, ya no hay nada que hacer, expresión de una derrota total en un momento en el que deberían iniciarse las victorias. Y luego ese, pero si de verdad fuera escritor, debería poder impedir la guerra. Que examinado más de cerca contiene lo contrario de una fanfarronada, es la confesión de un fracaso absoluto, la confesión de una responsabilidad precisamente allí, y esto señala Canetti, es lo sorprendente, donde menos cabría responsabilidad en el sentido usual del término. En su desesperación, el autor se acusa a sí mismo, no a los verdaderos causantes. Canetti llega a ver en el verdadero escritor
la voluntad de responsabilizarse por todo cuanto admita una formulación verbal y expiar incluso sus propios fallos. Claro que es una responsabilidad ficticia. Canetti reflexiona entonces sobre cómo solemos dar más valor a lo que un ser humano se impone a sí mismo que a lo que le viene impuesto por la fuerza, y concluye reivindicando la necesidad de que existan personas que se impongan esa responsabilidad por las palabras. Ahí me digo ahora algo hermoso e imposible en esa voluntad, que es anhelo, de atribuirse una responsabilidad imaginaria. Digo imaginaria porque la responsabilidad se hace real cuando puede ser asumida. ¿Y de qué manera puede una persona asumir hoy, por ejemplo, las pateras naufragadas, las guerras que son consecuencia de todo lo que su forma de vida hace y sucede, sin embargo, a miles de kilómetros? ¿Cómo se asumen de verdad y no solo imaginariamente las consecuencias no queridas de una acción cuando no se tocan? ¿Y cómo se sabe si son consecuencias no queridas o consecuencias que quizá no se desean, pero que se aceptan porque están lejos, porque no se imagina el modo de evitarlas? Habla Kant en un tiempo en el que las consecuencias no estaban tan lejos de las acciones como hoy, del proceso psicológico del autoengaño moral y de ese primer momento que consiste en aceptar la legalidad de nuestras acciones como garantía suficiente de su moralidad. Habla del engaño que resulta de no indagar si el haber esquivado la ilegalidad no es acaso mérito de la suerte. Llegamos al último término de la frase. ¿Qué significa decir cada persona? En su conferencia El artista y su tiempo, y para criticar algunas concepciones del arte realista, Camus señalaba: la realidad de la vida de un hombre, vale decir de una persona, no se encuentra únicamente allí donde esté. Se encuentra también en otras vidas que dan forma a la suya, las de sus seres amados, las vidas de hombres y personas desconocidas, poderosas o miserables, con ciudadanas, policías, profesores, compañeros invisibles de las minas y de los talleres, diplomáticos y dictadores, reformadores religiosos, artistas que crean mitos decisivos para nuestra conducta, humildes representantes, en fin, del soberano azar que reina hasta sobre las existencias más ordenadas. Fin de la cita. Entender que cada persona es porque otras son, como nos recordaba hoy la alcaldesa, implica entender que muchas personas no son porque hay decisiones de otras personas y otras organizaciones que les impiden ser. Y supone, en un recinto más íntimo, preguntarse qué significan expresiones tales como ser fiel a las propias convicciones. ¿Por qué propias? ¿Quién y quiénes las pusieron allí? ¿De qué están hechas? ¿Qué les falta? La frase que nos convoca se inserta en una reflexión de Camus sobre el arte. El propósito del arte, el propósito de una vida, solo puede ser aumentar la cantidad de libertad y responsabilidad que hay en cada persona y en el mundo. Me centro unos segundos en el arte y recuerdo que en su discurso de Suecia dijo: ¿cómo puede extrañar que el arte sea el enemigo declarado de todos los regímenes opresores? ¿Cómo extrañarse de que los artistas y los intelectuales hayan sido las primeras víctimas en las tiranías modernas, sean de derecha o de izquierda? Camus siempre defendió el derecho a disentir y ahora vengo a hacerlo, sin olvidar la distancia que media entre lo que queremos ver y lo que a veces el contexto nos impide ver. Consciente, pues, del punto ciego que estará también en mis palabras. Mi tarea es escribir y quisiera convenir con Camus, pero no puedo, porque hablamos y pensamos con voluntad de entender, pero algo siempre se nos escapa. Digo entonces que no, que nunca son los artistas y los intelectuales las primeras víctimas de las tiranías modernas. Son solo, algunos pocos, las víctimas más notorias. Mientras que cientos o miles de personas caen sin que sepamos su nombre. Ellas son las que abrieron camino, son las que probablemente permitieron a los artistas imaginar otra realidad y proponer que se luchara por ella. Entretanto, a lo largo de los siglos, es bien conocido, la cultura con mayúscula, no de la que se hablaba esta mañana, vive casi siempre con el poder, al lado del poder, agasajada, homenajeada, recompensada, y le acompaña, no solo ni siempre, como nos ha recordado también Natalia, en permanente contradicción, con pequeños gestos que se quieren heroicos, pero a menudo son muy pequeños.
Y los artistas y los trabajadores de la cultura lo sabemos y lo olvidamos y lo volvemos a saber, porque somos personas y nos autoengañamos. Sabemos y no sabemos, y así es como vivimos. Lo que no sabemos un día se aparece de golpe. Entonces es también Camille quien escribe y nos hace temblar. Mamá, la verdad es que pese a todo mi amor, yo no pude vivir con esa paciencia ciega, sin frases, sin proyectos. No pude vivir su vida ignorante. Y anduve por el mundo, construí, creé, quemé a los seres. Quemé a los seres. Para empezar a aumentar el grado de libertad y de responsabilidad de cada persona, nos preguntamos durante unos segundos cómo aumentar el nuestro, el de quienes trabajamos con palabras, el de quienes nos imponemos la responsabilidad por las palabras, aunque seamos conscientes de que eso no basta. También la ira contra la injusticia, escribió Brecht, pone ronca la voz. Desgraciadamente nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Debo, lo sé, decir ahora que la urgencia en que vivimos, climática, económica, violenta, nos pide que no seamos amables. Y al mismo tiempo, debo decir que necesitamos la extraordinaria atención que solo se encuentra en la amabilidad para saber cómo actuar, porque aunque no queremos quemar a los seres, no logramos evitarlo. No logramos, siguiendo las palabras de Miguel Ángel Moratinos, que suenen y se escuchen tambores de paz. Durante mucho tiempo pensé que precisamente por nuestra profesión dábamos demasiada importancia a las palabras, a las historias. Hoy me digo que no hay que darles demasiada ni demasiado poca. No es que las historias se interpongan entre las personas y las cosas, como tampoco el aire se interpone. Está ahí, hemos de habitarlo para poder tocar el mundo. Hoy las grandes estructuras se empeñan en convertir la responsabilidad en un nuevo artículo de consumo, algo que pueda comprarse, algo que esté incluido en las condiciones del servicio, ya se trate de un seguro o de la llamada inteligencia artificial. Hoy quizá nuestras historias puedan mostrar que la responsabilidad no se compra, que no es a librarnos de ella lo que aspiramos, sino por el contrario, a poder ejercerla. ¿Y cómo? ¿Y desde dónde? Tal vez se trate de volver a preguntar quién dijo que había que oponer la libertad a la igualdad. ¿Cómo podrían oponerse si yo soy tú? Y siendo tú menos que yo, menos libre soy yo, porque soy tú. Y en cambio tú o yo no podemos ser más, porque el más tiene límites y está vallado. En abril, los álamos y otros árboles dispersan sus semillas en copos algodonosos que nievan sobre la vida de los hombres y de las mujeres. Trato de imaginar a los seres humanos que fueron, a los que son y a los que vendrán. Aumentar el grado de libertad y de responsabilidad de cada persona es, estimo, conjugar el plural de esas historias que no son solo obra de los escritores ni de los artistas, esas que se escriben con palabras y actos siempre contra la libertad de oprimir, y asumir en el error, en la afirmación, en el arrepentimiento, en la búsqueda de la justicia, el tiempo que estamos siendo y que se aleja hasta que ya no estemos. Muchas gracias. Bonjour. J'ai décidé de changer mon intervention en vous écoutant depuis ce matin. On a beaucoup parlé de solitude, on a beaucoup parlé d'individus, d'individualisme. Moi, je suis habitée par le nous. Et mon corps, en fait, parle en fait, au nom de différents jeux. Un nom d'un collectif, et j'aimerais en fait vous partager en fait une expérience collective qui a démarré il y a plus de 10 ans au travers d'une revue
qu'on a fondée et qui s'appelle Africada. Mais avant, en fait, d'arriver à cette expérience collective, je vais un tout petit peu, en introduction, parler au nom du jeu. Et peut-être ça va vous permettre peut-être de comprendre pourquoi l'importance, en tout cas pour moi, du nous, dans le sens où quand on est en résistance, quand on est en lutte, quand on a besoin et quand on espère et qu'on lutte pour les transformations sociales, sans le nous, on ne peut pas y arriver. Et moi, je lutte justement pour les transformations sociales, surtout dans le monde de l'art. Moi, je viens je viens plutôt du monde du cinéma. Je pourrais dire que je faisais des formes d'objets filmiques, plutôt du cinéma expérimental. Et j'ai toujours, j'ai toujours voulu faire des projets ou travailler collectivement. C'est ça qui m'anime. C'est ça qui me permet, en fait, de pouvoir, en fait, repenser, produire différemment. Et moi, j'ai grandi, en fait, je suis originaire du Cameroun. J'ai grandi en banlieue parisienne. Je viens de la culture hip-hop. Et c'est une culture, en fait, du do-it-yourself. C'est-à-dire, c'est une culture dans le sens qui m'a appris, en fait, l'école de la rue, dans le sens où quand on n'est pas contente, en fait, d'une situation, il faut faire les choses par soi-même, il faut essayer de les transformer, mais d'une manière collective. Et là, je voudrais bien, si on peut, en fait, s'il vous plaît, lancer le petit film, pour en même temps, pendant que c'est pas que je suis obligée, mais pour moi, c'est important de lire un petit texte du collectif dont je représente, parce que je parle aussi en leur nom, même s'ils ne sont pas là. Mais tout le travail dont je vais partager avec vous, c'est un travail qui a été pensé, produit collectivement. Et les voix, en fait, qui s'expriment à travers Africada aujourd'hui, ce sont des voix qui viennent combler un manque et un décalage existant entre continuum colonial, des discours et des pratiques de résistance locale. Et montrer que continuer de parler de nous, sans nous, faire preuve d'une incompréhension globale sur les problématiques discriminatoires et postcoloniales ne relève d'aucun sens. Le collectif Africada s'impose ainsi comme une roche de résistance vis-à-vis des pratiques de légitimation du pouvoir. Nous avons tenté, dans plusieurs numéros, d'essayer de réécrire une histoire de l'art plus inclusive. Une histoire de l'art où beaucoup d'artistes afrodescendants ont été effacés. Une façon de montrer l'autre dans les musées institutionnels. Comment se repenser, comment mettre en place des nouvelles façons de monstration pour réécrire cette histoire de l'art commune, une histoire de l'art inclusive qui parlerait de nous et où on pourrait, en fait, questionner les différentes pratiques issues de notre histoire. Le collectif Africada, en un temps, pour lui, a pensé qu'il était temps de redéfinir les relations entre territoire, idées et mouvements artistiques. Qu'il est temps de redéfinir les nouvelles relations. Africada est une revue qui apporte une autre perspective à la scène artistique contemporaine, en racontant l'histoire et les trajectoires des communautés artistiques au-delà des frontières et du marché de l'art. Nous sommes un laboratoire qui se compose de chercheurs, d'artistes et d'activistes et de curateurs. Un laboratoire qui intègre la richesse d'une scène artistique émergente dont la production mérite visibilité et réflexion. La revue est un espace esthétique
et éthique face aux enjeux majeurs de la mondialisation. On place l'art contemporain dans une perspective de réflexe et de réflexion globale au-delà des géographies et des politiques culturelles. Il révèle à la conscience du monde l'artiste contemporain et sa modernité. L'approche de l'histoire de l'art contemporain africain, car il est temps pour nous d'être acteurs de notre histoire. Il est temps, en contribuant ainsi à la réinventation, à la réinvention des idées et espaces artistiques. Créer cette revue est pour nous un acte politique, car pour nous, il a toujours été important d'être maître de son histoire et de pouvoir en fait écrire d'une manière située son histoire. Pour nous, on pense la revue comme un espace de monstration. Comment faire dans un pays où une diaspora n'a pas son propre musée, n'a pas ses propres espaces d'expression? Donc pour nous, quand on a pensé en fait cette revue-là, cette revue, en fait, cet espace est devenu en fait notre espace de résistance, mais c'est aussi devenu en fait un espace de guérison. Prendre soin de nos récits, prendre soin en fait des histoires afin de nous réparer, des histoires qui étaient invisibilisées, des histoires qui ont été effacées, et comment en fait mettre dans la lumière les voix silencieuses. Et à chaque fois, moi en tant que curatrice, j'essaie en fait je m'intéresse beaucoup en fait au profil d'artiste chercheur. Pourquoi ? Parce que quelque part, ce qui m'intéresse, c'est comment en fait, à partir d'une revue où on a mis en place un concept qu'on a appelé l'acte éditorial live. C'est-à-dire que pour chaque sortie du numéro, on expose en fait le contenu en fait dans différents espaces. Comment exposer la pensée sous toutes ses formes? C'est des problématiques qui nous intéressent, et c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse en fait au profil d'artistes chercheurs. On a mis aussi en place un événement qu'on produit en fait. Pendant la Biennale de Dakar, je pourrais dire, on a appelé ça l'African Art Book Fair, mais en fait, ce n'est pas du tout une foire, c'est plutôt une anti-foire. C'est un projet artistique qu'on produit en fait pendant la Biennale de Dakar. Et en fait, cette plateforme a pour objectif en fait, d'accompagner, d'aider et d'encourager en fait, des éditeurs indépendants sur le continent afin de les inciter en fait à produire des catalogues d'artistes africains, des monographies, des essais, et aussi c'est une manière aussi de pouvoir aussi nous retrouver, dans le sens où la question de la langue est une barrière pour certaines personnes. Mais le langage artistique, pour moi, le langage visuel a toujours été un langage où justement qui permettait de déconstruire des frontières. Et dans cet espace de l'African Art Book Fair, avec les éditeurs indépendants qu'on invite pour chaque édition, on essaie de réfléchir à des formes alternatives. Par exemple, de circulation des productions, parce qu'on sait que sur le continent, c'est très, très difficile de faire circuler les publications. Ce qui s'écrit en Afrique du Sud, en plus en langue anglophone, c'est difficile de le retrouver, par exemple, au Sénégal, c'est difficile de le retrouver, en fait, au Maroc. Et en même temps, comme on est des petites maisons d'édition, on ne veut pas non plus être récupéré par Amazon. Donc, par exemple, aussi, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est quand on se retrouve tous les deux ans, c'est, par exemple, on s'échange, en fait, les publications. Par exemple, moi, quand je suis invitée dans différentes foires d'édition en art,
je représente, en fait, je sélectionne des publications, des éditeurs qui ne peuvent pas voyager. Parce que tout... C'est-à-dire que... Comment vous dire ça ? La question de la circulation de la pensée aussi, c'est-à-dire que ce qui s'écrit au nord se retrouve plus facilement dans le sud, dans les territoires du sud, et ce qui s'écrit dans les territoires du sud ont du mal à voir le jour, à circuler dans les territoires du nord. Je dis ça parce que je dirige aussi, je suis co-directrice d'une foire d'édition en art à Berlin. On a fait un projet qui s'appelait Decolonizing Art Book Fair. Et l'idée, c'était en fait de sensibiliser les différents directeurs de foires d'édition en art, parce que j'avais remarqué que dans ces différentes foires internationales, on ne retrouvait pas du tout d'éditeurs du continent du Sud. Et donc, on a fait un projet, c'était pendant le Covid, où en fait, je devais curater... et inviter en fait des éditeurs indépendants issus du continent africain. Et finalement, le projet n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid, mais on a décidé en fait de faire une publication, comme on a en fait pensé comme une foire, parce que j'aime beaucoup en fait travailler le livre comme médium, et puis travailler aussi l'espace de la publication, mais comme un espace vraiment de monstration, parce que quelque part, je trouve que c'est un formidable espace pour pouvoir en fait se réinventer, proposer des nouveaux récits et des voix qu'on entend très très peu. Et l'année où on a pu faire en fait cette foire Misrid, on a décidé d'inviter en fait ces éditeurs qui avaient participé en fait à cette publication. Et chaque éditeur en fait dans cette publication avait son propre espace d'expression. Et c'était aussi une manière pour nous de comment on passe d'un espace physique qu'est une foire ou une exposition. Et comment, en fait, cet espace physique se transforme dans l'espace de la publication. Et en fait, ce qui s'est passé, on a invité, je crois, ouais, une vingtaine et, d'éditeurs. Et malgré qu'on avait payé, tout était pris en charge, etc., la problématique, en fait, du visa s'imposait, dans le sens où... même si avec toutes les lettres d'invitation, etc., etc., toute la prise en charge, et ben, certains de ces éditeurs, une bonne partie, n'ont pas pu avoir le visa, alors qu'on avait eu l'argent du ministère des Affaires étrangères allemande. Et c'est la même ambassade qui en fait, refuse en fait, à ces éditeurs, à ces écrivains, de venir partager en fait leur production. Donc la question de la circulation de la pensée, qui a le droit de comment circulent en fait les idées, qui a le droit de circuler, quelles formes d'idées peuvent circuler, c'est aussi des problématiques qui nous traversent dans le collectif Africada. Je voulais vous partager un projet que je viens de démarrer parce que on allie théorie et pratique. Tout ce qui, en fait, produit tous les concepts théoriques qu'on essaie de mettre en place, on essaie, en fait, à chaque fois de les mettre en pratique. C'est aussi une manière de voir, en fait, comment, en fait, ces idées peuvent s'infiltrer auprès des communautés, auprès de la société, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler au laboratoire d'Aubervilliers suite à une invitation d'une artiste espagnole, Paola Valero, qui, ça fait depuis 5 ans, travaille sur un projet de l'herbier en résistance de Rosa Luxembourg. C'est un projet qu'elle a fait avec différentes communautés de femmes,
que ce soit à Cuba, au Brésil, en Argentine, et même en Espagne, dans différentes villes, à Valence, je crois, à Madrid. Et elle m'a en fait invitée, parce que j'avais une expertise sur les questions des coloniales, qu'elle n'avait pas. Et l'idée de ce projet, en fait, c'était de créer une forme de généalogie, c'est-à-dire le laboratoire d'Aubervilliers, en fait, a un potager. Et il s'avère que ce potager, en fait, il y a des collectifs de femmes du quartier qui viennent, en fait, souvent y travailler, y planter des graines, polliniser, recoloniser quelque part, parce qu'en fait, des fois, elles partent au pays. Elles ramènent des graines et elles ont envie en fait de les planter en fait dans ce potager qui est devenu un potager assez incroyable avec une histoire aussi incroyable parce que pour moi ce sont les femmes qui prennent soin du vivant, c'est elles qui prennent soin de la vie et en travaillant en fait en commençant à travailler avec elles sur ce projet. L'idée en fait du projet, c'est quelque part de d'aller à la rencontre de différents potagers qui existent dans la ville d'Aubervilliers, mais aussi le potager du laboratoire d'Aubervilliers, et de trouver en fait les plantes qu'on appelle des plantes entre guillemets, les mauvaises herbes. Mais après, les mauvaises herbes, ça dépend pour qui. Parce que ce sont en fait des plantes résistantes qui arrivent à pousser dans des endroits inimaginables, dans du béton, dans des sorts pollués. Et l'idée, justement, c'est de relier en fait ces plantes résistantes, qu'on appelle mauvaises herbes, de les relier en fait avec des récits de ces femmes où en fait, où elles vont proposer des femmes qui les ont inspirées, des femmes qui, pour elles, sont importantes, qui les ont quelque part permis de devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, et qui sont pour elles des femmes très résistantes. Et comment en fait relier en fait ces femmes-là avec les plantes résistantes. Et ça, c'est tout l'enjeu du projet. Sachant aussi que une partie dans il y a des femmes dans ce collectif qui savent pas lire écrire et donc avec mon amie Paola, cette artiste espagnole, on a imaginé des formes de workshop pour pouvoir en fait créer des fiches, ces fiches qui allaient relier entre les plantes et ces femmes-là. Par exemple, elle va faire un workshop de dessin où en fait elles vont photographier ces plantes-là et du coup leur apprendre à dessiner, qui est aussi une manière de se poser, qui est aussi une autre forme de temporalité. On a parlé de la notion du temps, comment prendre le temps pour soi. Dans un monde où tout va vite, c'est aussi quelque part juste respirer. Et ce que je trouve intéressant, c'est comment les artistes arrivent justement à briser cette frontière du sachant et du non-sachant. Qu'est-ce que c'est que le sachant ? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, avec le savoir en fait, de ces femmes qui ont un savoir sur les plantes que moi, je n'ai pas du tout, comment ensemble, avec cet artiste, on va construire un nouvel herbier résistant à partir d'Aubervilliers. Et j'avais envie de vous, pour terminer ma présentation, de vous partager cette expérience-là, que le partage des savoirs et des connaissances est pour moi très important, quel que soit le milieu d'où l'on vient, chacun, on a tous des formes de savoir, en tout cas, à partager et à s'enrichir aussi mutuellement. Merci.
si chaque alguna conversación entre de lo que habéis dicho os sugiere algo entre vosotros o si preferís que abramos preguntas o sensaciones al público. Yo quería preguntarte, Pascal. No. Quería preguntarte, pero me... Mets tes casques, elle va te demander quelque chose. Si. Oui. Ahora, hola, Pascal, que quería preguntarte, porque me ha interesado mucho lo que has dicho de trabajar el arte desde lo colectivo, ¿no? Y... Attendez, j'ai... Ahora ouais. Sigo hablando para que... ¿Ya? ¿Este? ¿Sí? Oui, est-ce que vous pouvez... Sí, sí, ouais. Vale. Bueno, que me ha interesado mucho lo que decías de trabajar el arte desde lo colectivo y quería preguntarte porque... Uno de los mayores problemas que hay, al menos en nuestro país, ¿no? Cuando se habla de los distintos discursos que circulan, es la potencia de difusión, ¿no? O sea, hoy pueden en España, por ejemplo, pueden circular mucho tipo de discursos, pero algunos los escuchan 50 personas y otros 50 millones de personas, ¿no? Y romper esa limitación de la potencia de difusión es muy difícil y quería preguntarte si tenías la sensación de que el hecho de construir el colectivo Africada ayudaba a aumentar la potencia de difusión o al revés, o lo hacía más difícil porque muchas veces se busca como al individuo, al que poder llevar a los sitios, o, ¿sabes? En fait, nous, on est conscient que on est une niche. Et la manière dont on travaille comme des fourmis. Par exemple, on vient de sortir ce numéro, Racisme et discrimination en école d'art. On a mis, en fait, un an et demi, presque deux ans, pour sortir ce numéro. Et donc, quelque part, la manière, en fait, dont on travaille ensemble, c'est aussi, on a une méthodologie de produire du commun. On met en place à chaque fois un groupe de recherche avec... c'est-à-dire qu'il y a le noyau du collectif, mais pour chaque thématique, on invite les personnes concernées. Pour nous, c'est quelque chose de très important parce que l'écriture située, c'est quelque chose qu'on a envie de défendre, qu'on a envie de mettre en avant. Par exemple, pour ce dernier numéro, on a travaillé en fait avec des étudiants en école d'art qui avaient subi des questions de discrimination raciale. Et pour nous, c'était un numéro, c'était la première fois qu'on on avait beaucoup de difficultés à produire ce numéro. D'ailleurs, il y a très peu de directeurs d'école qui ont voulu écrire dans le numéro. On a un directeur d'école qui s'est associé, qui a défendu et qui nous a aussi soutenus. Très peu de profs ont voulu écrire en se disant qu'ils ne se sentaient pas concernés. Et donc, du coup, on a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré avec les étudiants. Et ce numéro, en fait, propose... à notre petite modeste échelle, propose en fait des solutions pour pouvoir en fait lutter contre les problèmes de discrimination. Par exemple, on avait remarqué que beaucoup des étudiants avec lesquels nous travaillons pour produire en fait ce numéro étaient confrontés en fait aux problèmes de contenu, c'est-à-dire aux problèmes de mémoire, des nouvelles pratiques artistiques. Qu'ils essayaient en fait d'amener au sein d'une école d'art très conservatrice. On peut par exemple, moi j'enseignais pendant un an à l'école des Beaux-Arts de La Réunion sur l'écriture située. Et on peut passer en fait 5 ans et avoir son diplôme à l'école des Beaux-Arts sans qu'on te parle d'un artiste réunionnais. Donc comment on fait en tant que jeune artiste réunionnais pour se projeter, pour avoir des modèles quand l'histoire de l'art qui nous est en fait partagée
dans son école, il n'y a pas des artistes issus du territoire dans cette histoire de l'art qui nous est racontée. Comment, quelque part, quand on a... effectivement, il y a de plus en plus d'artistes et d'étudiants issus de l'immigration dans les écoles d'art qui emmènent en fait beaucoup de sujets autour de leurs récits, soit des récits issus de l'immigration, soit des récits de leurs parents, etc. Et on a un corps professoral qui n'est pas, en fait, qui n'a pas les outils pour accompagner en fait les travaux de ces étudiants-là. On a mis en place un projet qu'on appelle la bibliothèque augmentée. La bibliothèque augmentée, c'est un projet qui justement qui permet de réécrire une histoire de l'art plus inclusive, dans le sens où on a travaillé en fait avec des étudiants. Les monographies, qui est plus de monographies d'artistes issus des territoires du Sud, qui est plus de livres de penseurs de post-colonial studies. En fait, tout ce qui n'existe pas dans la bibliothèque de l'école d'art, là où ils sont. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient déjà, en fait, quelque part, leur propre bibliothèque. Et on a fusionné ensemble pour, justement, repenser, en fait, une bibliothèque plus inclusive et qui inclut en fait toutes ces nouvelles voies qui ont été silencées pendant de nombreuses années. Et ce que je trouve moins intéressant en tant que curatrice, c'est on a commencé depuis 4-5 ans à travailler dans l'espace de la bibliothèque. La bibliothèque pensée comme un espace refuge, la bibliothèque pensée comme un espace de monstration. Parce que ça m'intéresse, en fait, tous ces lieux de savoir qui sont très sacrés, comment justement désacraliser, en fait, ces savoirs pour les rendre plus accessibles à un plus grand nombre. On avait fait un projet à la bibliothèque du Centre Pompidou avec le collectif Chimirangwa, avec le curateur Anthony Djabé, qui est basé, en fait, en Afrique du Sud, à Cape Town. Ça fait plus de 10 ans, en fait, qui expérimentent et qui travaillent dans l'espace bibliothèque, dans le sens où ils avaient commencé il y a plus de 10 ans, où leur bibliothèque à Cape Town, ils avaient remarqué pendant l'apartheid, cette bibliothèque, les étudiants noirs ne pouvaient pas fréquenter cette bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il n'y avait que des auteurs blancs. Et ils ont fait, en fait... mais ce qui était intéressant, c'est que les seules personnes racisées qui avaient le droit de fréquenter en fait la bibliothèque, c'était les gardiens et les femmes de ménage. Et ce qui se passait, c'est que les étudiants donnaient la liste des livres dont ils avaient besoin aux gardiens. Et comme il y avait certaines femmes de ménage qui ne savaient pas lire tout ça, ils mettaient en fait des formes de stickers pour ces livres-là. Et quand les femmes de ménage venaient nettoyer la bibliothèque, ils prenaient les livres qui étaient stickés, ils les sortaient, les étudiants faisaient des photocopies, et quand ils revenaient le lendemain faire le ménage, ils remettaient en fait les livres en place. Et par exemple, la bibliothèque de Chimirangwa, c'est une bibliothèque qui n'est constituée que d'auteurs noirs. Et leur projet, c'était justement que la bibliothèque Chimirangwa s'infiltre dans la bibliothèque à Cape Town. Et c'est un projet qu'ils ont fait, en fait, dans différentes villes, que ce soit à Lagos, à San Francisco, etc. Et quand ils sont venus à Paris en 2020, on a travaillé, en fait, avec 8 chercheurs pendant un an et demi à lire la bibliothèque du Centre Pompidou. Et on a remarqué aussi que les gens qui fréquentaient cette bibliothèque, ce n'étaient pas seulement les étudiants. Et c'est ça aussi qui nous intéressait et comment aussi on pouvait transformer en fait cette bibliothèque qui est un grand lieu de savoir en un autre espace. On avait remarqué qu'il y avait par exemple pas mal de SDF qui viennent à l'ouverture et qui viennent là pour se reposer, qui viennent là surtout en hiver quand il fait chaud, ils se mettent dans un coin et ils restent là parce que la bibliothèque elle est ouverte jusqu'à 22 heures. On avait remarqué que par exemple c'est aussi une bibliothèque où il y a des migrants qui viennent là. Qui viennent là parce qu'on peut apprendre différentes langues. On prend des écouteurs avec y a des téléviseurs et
ils sont là, ils peuvent apprendre le français, ils peuvent aussi avoir des nouvelles de leur pays. Donc il y avait plusieurs façons où on remarquait que le public en fait, qui fréquentait en fait, cette bibliothèque eh ben, venait pour différentes raisons. Et du coup, on a mis en place une forme de, je dirais, une installation, parce que le curateur Anthony Djabé aime pas trop le terme d'exposition, parce que lui, le terme d'exposition, ça représente la couverture du livre, et l'installation, c'est le contenu, en fait, de ce qu'il y a dans le livre. Et ça, c'est en fait, c'est des formes d'expérience, en fait, sur lesquelles, qui, moi, m'intéressent de travailler. Et j'essaie de trouver, justement, on essaie de trouver différentes formes de ce... En tout cas, d'exposer la pensée sous toutes ces formes-là. Moi, j'avais une question pour Beau, par rapport en fait à ton travail photographique, parce que le médium de la photo, c'est aussi un médium de la... On parle beaucoup de représentation des corps. Et je vois que dans ton travail, justement, photographique, la place des corps est très présente et très importante. Et je voulais, en fait, te poser, en fait, la question. Quelle est ta relation, en fait, quand tu travailles en tant qu'artiste, avec ces corps-là? Pour moi, le corps et le portrait, c'est deux choses différentes. Vous m'avez posé la question, ma relation dans mon travail entre moi et le corps. Le corps est un vrai sujet. Le corps est une vraie matière. Et c'est vrai, souvent dans mon travail, j'exprime avec le corps, corps de femme, homme, et aussi parfois mon propre corps. Ouais. Et je comprenais pas très bien pourquoi vous me posez cette question de rapport avec corps. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? En fait, le médium photographique, c'est quand même un médium où, en fait, il peut être fictionnel, dans le sens où il peut y avoir de la mise en scène. Et il y a aussi des types de photographies où en fait l'artiste instaure en fait une relation en fait avec le personnage dont il photographie. D'accord. C'était dans ce sens-là. Oui, d'accord. Moi, j'étais toujours très à l'aise avec le corps ou une personne en face. Je suis toujours très très à l'aise. Si le corps en face de moi qui n'est pas à l'aise, bon, bah, tant pis, je ne le fais pas. Et j'ai toujours... Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je fais moins en moins de photos vis-à-vis des corps, parce que tous les corps sont protégés par la loi. Donc je ne sais plus si j'ai le droit ou je n'ai pas le droit, s'il faut demander l'autorisation, ou si un jour, il va dire que tu n'as pas signé le contrat avec moi, et ça me pose des problèmes. Donc aujourd'hui, je fais moins en moins de photos vis-à-vis, en face des corps. Mais je préfère de faire des photos des amis, des gens que je connais. Et déjà, je fais moins en moins parce que j'ai assez de stock pour développer mon travail. Voilà. Oui. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu. Oui. Ouais. Oh. ¿Os parece si pasamos al público la...? ¿Oui?
¿Os parece si pasamos la voz al público? Ah, ¿aló? Que no había oui. Visto. Bonsoir. Good evening. Buenas noches. Merci à tous pour votre intervention, très enrichissante. Ma question est pour M. Garoubo. Monsieur Garoubo, quand vous avez commencé votre intervention, je suis ici, vous avez parlé dans votre langue maternelle et vous avez dit après que vous étiez senti très seul, enfin une certaine solitude. Je ne peux pas vous dire combien je me suis sentie très seule lorsque je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'interprète. Et je me suis dit, c'est terrible, seule et frustrée. Ce monsieur a parlé pendant une demi-heure et je ne vais rien comprendre. Ça, c'était terrible. Mais ça, c'est juste une boutade. Ma question est beaucoup plus importante. Le récit de vos souvenirs d'enfance m'ont terriblement impressionnée. Et alors, je me demandais... cette banalisation du mal, comme disait Hannah Arendt, due au régime politique, je suppose, de l'époque, où des enfants allaient fêter l'exécution de concitoyens, mais comme une grande joie, puisque vous couriez devant et derrière, etc. Je voulais savoir à quel moment de votre vie, si ce n'est pas indiscret, vous avez pu assumer ce souvenir, et si la photographie... vous a aidé à remettre les choses en place et à, comment dire, faire la paix avec votre passé, avec ses souvenirs. Évidemment, le titre, c'est « Augmenter le grade de liberté et de responsabilité de chaque personne ». Vous n'aviez aucune liberté, aucune responsabilité à cette époque-là. Mais je voulais savoir si c'est grâce à la photographie ou si la photographie vous a aidé où vous avez cherché un moyen d'échapper à vos souvenirs. Merci pour votre question. J'essaie de vous répondre correctement. La photographie, c'est un outil. C'est une matière que j'ai empruntée pour s'exprimer. Et dans ce langage, je me sens souvent très limité. Ouais. Et pourquoi? Je ne sais pas si je me suis bien s'en sorti de tout ce que mes souvenirs, hein. On parlait de mes souvenirs. Et ce que j'ai essayé, ou j'étais même peut-être inconscient, je ne sais pas pourquoi, dans mes travaux, je trouve toujours la beauté dans les blessures. Et parce que cette beauté, on m'a imposé de notre société. De notre société et de notre société, je n'y crois toujours pas. Moi, je me suis dit, c'est pas ça. Je cherche quelque chose de plus... plus évident. Plus essentiel. Ouais. Mais cette beauté qui me cachait les yeux, je ne le vois plus. Mais c'est pas parce que je suis quelqu'un de sombre. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le faisceau de lumière noire. Ça n'existe pas, on n'a pas envie. Hein. C'est parce que nous, quand on est entre les deux lumières, et nous, on reste dans le faisceau de lumière noire. Mais j'ai envie de sortir de ça. C'est surtout pas ça que j'ai envie de rester toute ma vie. Mais je me suis dit, cette blessure, si on n'essaye pas
se soigner, de se guérir. Et après, on va avancer. Là, le danger est là. Plus qu'on avance, et plus qu'on fait des erreurs, même parfois, c'est le désastre. C'est ce que j'ai compris. Donc je dis, il faut que je termine de cette partie. Il faut que je le soigne, cette blessure, avant de partir. Et j'espère que, à travers tous mes efforts, tous mes travaux, je suis plus proche de cette lumière. Thank you all, really enjoyed your talks. My question is to Pascal. I'm gonna wait. Okay, so in your collective, working to decolonize narratives about the African continent, I'm really interested to learn more about your observations and thoughts about how artists are tackling this topic. How they're changing the narratives within the African context, but also how these narratives, these alternative narratives, are being received in Europe. I would love to hear your thoughts more about that. Wow, une question qui est, elle n'est pas évidente à répondre parce que c'est un mouvement en fait. On pourrait parler d'un mouvement de déconstruction des récits, un mouvement de décolonisation des savoirs, un mouvement de se réapproprier aussi d'une autre façon. Nos récits, apprendre aussi à faire autrement, apprendre à montrer l'autre autrement, penser des espaces en fait qui sont des espaces où on prend soin des récits, où on prend soin des artistes, où on prend soin des formes d'expression qu'on est en train de produire, qu'on est en train de créer. Pour moi, ça participe en fait de tout ça. Et il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui œuvrent dans ce sens-là. Certains curateurs aussi, pas que. Mais je pense que c'est pour ça que, quand je disais que je m'intéressais beaucoup au profil d'artistes-chercheurs, parce que aussi ce sont des artistes qui, à partir des penseurs de post-colonial studies, les traduisent au travers un langage artistique. Et j'ai l'impression que ce langage artistique, en tout cas, atteint plus facilement les publics et nous permet de mieux comprendre en fait les complexités du monde dans lequel nous vivons. Permet aussi de réparer en fait certaines blessures. Pour moi, je pense que l'écriture est vraiment une façon et un moyen de réparer en fait justement ces blessures qui ont été souvent invisibilisées, souvent effacées, et qu'aujourd'hui en fait ce courant là je dirais se réapproprie pour les raconter autrement et pour pouvoir en fait réécrire en fait une histoire plus inclusive.
dans ce sens-là. Et il y a tellement d'artistes. Moi, je sais, par exemple, j'ai travaillé à la colonie Barré. La colonie Barré, c'est un espace qui a été créé par l'artiste franco-algérien Kader Attia. C'est un espace qui a duré pendant 3 ans, mais c'était un laboratoire de recherche. Les plus grands penseurs sont venus, en fait, dans cet espace-là, des artistes, des activistes. C'était un espace où, en fait, justement, aussi bien des jeunes issus des quartiers populaires que des curateurs, que des gens, par exemple, de Sciences Po qui voulaient venir faire leur conférence à la colonie venaient. Donc, il y avait, ça prouvait qu'on pouvait, en fait, produire du commun, mais aussi se mélanger. Et c'est quelque chose, pour moi, qui devient... ça devient de plus en plus difficile de trouver des espaces de mixité, des espaces d'écoute, apprendre à écouter. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de réapprendre à écouter l'autre. Et pour moi, en fait, les espaces... je travaille beaucoup avec différentes... j'ai beaucoup travaillé avec différentes institutions muséales, et c'était des espaces, en fait, toxiques, en fait, pour moi. Et à chaque fois, les gens me disaient « Mais pourquoi tu continues à accepter d'aller travailler dans ces espaces que tu considères toxiques ?» Parce que quelque part aussi, la question de garder, en fait, le dialogue avec ces espaces-là, c'est aussi important. Même si, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer de nouveaux espaces, parce que pour moi, l'espace muséal, pour moi, est impossible à décoloniser. Pour moi, ce sont des espaces obsolètes. Et du coup, quelque part, je préfère aujourd'hui, en tout cas, mettre mon énergie dans des espaces qui, en tout cas, qui, justement, réparent et prend soin, en fait, des communautés qui m'intéressent de questionner. Merci. Je voudrais... sur cette question de décolonisation des savoirs et des imaginaires, je voudrais te soumettre deux éléments de réflexion et avoir ton avis là-dessus. La première, c'est qu'on a un double... Je pars de l'éthique de justesse qui est cher à Albert Camus. Je me pose la question dans le devoir de réparation, mais également d'émancipation, comment on arrive à trouver l'équilibre. Parce que quand on se limite uniquement à la réparation, on peut tomber dans l'essentialisme. Et lorsque on est dans l'équilibre entre la réparation et l'émancipation, on peut ouvrir vers le dialogue et aller vers ce que Édouard Glissant appelle cette nécessité de latéralisation de l'universel. Ça veut dire, je ne suis pas uniquement en train de réparer, uniquement pour reconstruire du récit à partir du local, uniquement, mais je le fais aussi pour décentrer l'universel. Et à partir de là, me vient la deuxième réflexion, c'est que la décolonisation nécessite le décloisonnement. Je m'explique. Le décloisonnement des disciplines, le décloisonnement des savoirs, mais ceci, en plus de nous amener à travailler sur les oralités, les récits alternatifs, tout ça, on est d'accord, les épistémiques, tout ce qu'on appelle la justice épistémique, tout ça, on est d'accord là-dessus. Il nous reste quand même une question beaucoup plus critique. Tu viens de parler d'institutions toxiques. C'est que nous devons décoloniser les lieux de production de savoir. Ça veut dire les institutions qui sont dans l'Empire. Et je parle, et je prends ma position critique, je parle du Maroc qui est en même temps une ancienne colonie et un empire. Donc, la question principale, c'est comment nous pouvons décoloniser les institutions de production de savoir. Sinon,
on est, tu l'as dit tout à l'heure, on va rester dans des niches et dans des lieux marginaux dans lesquels, effectivement, nous arrivons à faire quelques petites choses. On est sur le même, on est sur les mêmes combats, mais comment faire pour décoloniser les institutions de savoir qui, aujourd'hui, tiennent le récit dominant sur la manière de se représenter le monde? Alors, en ce qui concerne la question de la réparation, en fait, je pense que moi, longtemps, j'ai habité dans un corps malade. Et un corps malade, c'est dans le sens où un peu où j'ai fait mes études en fait ici en France. Et du coup, il y a des penseurs, j'ai lu des penseurs ou on m'a fait lire des penseurs. Et ces penseurs-là, je me suis jamais retrouvée dans leur récit. Et pour moi, en fait, cette nécessité de se réparer, pour moi, passe aussi par comment décoloniser nos corps. Décoloniser nos corps, ça veut dire quelque part aussi se soigner. Ça veut dire prendre conscience qu'on est quelque part qu'on est malade et comment trouver des outils pour en fait se soigner, pour se réparer et après pour pouvoir justement trouver la force et l'énergie d'aller vers l'autre. Parce que c'est difficile quand on est malade, fatigué, de trouver la force de partager du commun et d'aller vers cet autre. Et c'est pour ça que je parlais en fait de cette nécessité pour moi d'abord de me soigner, de me réparer, de réparer mon corps, de réparer les corps de ma communauté, parce que c'est important de prendre conscience de cela si on veut vraiment décoloniser les imaginaires, décoloniser les savoirs. En ce qui concerne la question de décoloniser les institutions, peut-être que j'ai une vision pessimiste. Pour avoir longtemps œuvré, pour avoir longtemps essayé et me rendre compte que je m'étais trompée, que je vivais dans une forme d'utopie, dans le sens où, pour moi, je pense que, en ce qui concerne, je parle plutôt pour l'art contemporain que je connais bien, assez bien, pour avoir tenté des choses dans les institutions muséales, justement. Je me rends compte en fait que c'est impossible en fait quelque part de décoloniser en fait ces institutions parce que quelque part ça part d'en bas, dans le sens ça part par la transmission, ça part par l'éducation dès tout jeune. Comment par exemple quand on forme des conservateurs, par exemple en France, je prends l'école du Louvre. Parce que j'ai un exemple en tête, mais je ne dirai pas le nom de la personne. On forme des conservateurs, mais où il n'y a pas des cours, par exemple, sur l'art contemporain africain. Il y a des cours sur l'art classique africain. Mais en même temps, ces conservateurs, quand ils vont travailler, qui travaillent dans les musées, il y a certains musées maintenant qui ont des conservateurs qui ont soi-disant une expertise et qui sont censés acheter et écrire la collection africaine, et ben en fait, comment ces personnes-là qui n'ont pas étudié cette histoire, comment ils vont en fait quelque part monter cette collection-là, qui est une collection d'art contemporain africain. Et donc c'est un peu le paradoxe qu'on a en fait aujourd'hui, où je me dis il y a tellement de travail à faire, ça commence tout en bas, et en même temps, pour répondre c'était pas une question, mais quand tu disais que vous êtes une niche et du coup vous allez vous adresser à vous rester dans votre niche, en fait ce que je trouve très intéressant, c'est pour ça que nous on travaille beaucoup
avec les étudiants, avec les jeunes, parce que ce sont les artistes de demain, ce sont les commissaires de demain, et donc du coup, c'est eux qui vont en fait transformer cette société-là. Et c'est au travers, en fait, c'est en travaillant avec eux, en transmettant ces formes de savoir, et ben c'est quelque part, c'est comment je pourrais dire ça ? En fait, c'est nous, on forme des soldats, en fait. En fait, la revue Africada, c'est une forme d'école alternative, dans le sens où, comme il y a très peu d'écoles d'art qui enseignent l'histoire de l'art contemporain africain, on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir, qui nous envoient leurs sujets de mémoire pour qu'on les accompagne, etc., etc. On est peut-être une niche, mais cette niche, en fait, forme des jeunes qui, demain, vont peut-être, eux, pouvoir transformer, en fait, ces institutions-là, ou même pas créer de nouvelles institutions, mais qui seront beaucoup plus inclusives. Voilà. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por cada una vuestra manera, ¿no? Sabido transmitir vuestra necesidad de reparar también vuestras propias heridas y darnos algunos instrumentos justamente para escuchar, no solo desde vuestras heridas, ¿no? Que a mí muchas de tus palabras, Belén, me han hecho temblar, ¿no? La vibración realmente no solo de tu lucidez y de tus contradicciones dentro de esa fragilidad y también esa pausa de Gaubo a la hora de presentarnos en su nobleza sobre cada una de las personas que al final les vuelve a dar cuerpo y la necesidad y el trabajo en colectivo, que al fin y al cabo, bueno, vosotros trabajáis más en solitario, el trabajo en colectivo de Pascal a la hora la necesidad de construir saberes para todos y que transmitan para todos, así que muchas gracias a los tres de nuevo. Gracias. Pues cinco minutitos la hora de preparar a los últimas ponentes de cierre y eso.